Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo, un nouveau Dog News autour de Naughty Dog et cette fois d'un projet PS5 puisque oui, cette semaine, on vous partageait sur notre site et nos réseaux sociaux une information selon laquelle Naughty Dog serait en train de travailler sur au moins un jeu PS5 non annoncé, voire même plusieurs, suite à la nomination de deux nouveaux Game Directors avec Vinit Agrawal et Richard Cambier. Cela fait donc 4 Game Directors chez Naughty Dog avec Anthony Newman et Kurt Margenau, qui étaient donc les Game Directors de The Last of Us Partie 2, ce qui fait que Naughty Dog est actuellement en train de pouvoir potentiellement développer 2 projets, puisqu'il y a 2 équipes. Aujourd'hui, Naughty Dog partage une importante liste d'offres d'emploi à la recherche de spécialistes dans tous les domaines. Des spécialistes de l'animation, des producteurs, des artistes, des programmeurs, des game designers ou encore des testeurs pour l'assurance qualité. C'est au total plus de 34 offres d'emploi qui sont désormais disponibles dans la partie carrière du site officiel de Naughty Dog. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? On peut voir que dans la catégorie programmeur, le studio est à la recherche de programmeurs online dans la partie équipe de jeu. Donc il y a énormément de chances pour que cela concerne le fameux mode en ligne de The Last of Us Partie 2 qui n'est toujours pas officiellement annoncé, mais ce serait vraiment une question de temps. Il y a également de grandes chances pour que toutes ces nombreuses offres d'emploi concernent le portage de The Last of Us Partie 2 sur PS5. Mais pas que. En effet, le nouveau co-président Neil Druckmann vient de partager à nouveau sur les réseaux sociaux ses offres d'emploi et ce dernier annonce que vous pouvez venir travailler avec eux car ils font quelque chose de très cool. Et en tout cas, de notre côté, on a vraiment hâte de savoir quelle est cette chose de très cool sur laquelle Naughty Dog est déjà en train de travailler. Et on sait très bien, Naughty Dog serait déjà depuis quelques temps en train de préparer l'après The Last of Us Partie 2. Donc il y a de grandes chances pour que sur ces 35 offres d'emploi, cela puisse concerner la partie online de The Last of Us Partie 2, un portage PS5 et un nouveau jeu The Last of Us Partie 3, Uncharted 5, une nouvelle IP, on ne sait pas, mais en tout cas, on a vraiment hâte de le savoir et ben, on espère que ce sera au cours de cette année 2021. Voilà pour ce nouveau Dog News, merci à tous, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous et à très bientôt.